Bonjour Jean-Marc Mériot, vous êtes directeur de la direction du numérique pour l'éducation au ministère de l'éducation régionale de la jeunesse et des sports. Vous avez accepté de recevoir l'ANAE pour un entretien qui donnera lieu ensuite à une publication sur notre média Educavox. Alors nous venons de vivre une période de confinement de 2 mois, au cours de laquelle tout lien et tout contact physique entre l'école et les élèves et les enseignants a été rompu. Durant cette période, on a assisté à un grand déploiement d'usage numérique via différentes applications. Et évidemment, les enseignants, les parents, les élèves ont utilisé massivement ces outils, ce qui a donné la possibilité de créer cette continuité pédagogique que le ministre souhaitait introduire. Mais dans le même temps, on a vu aussi que de nouvelles modalités de relations pédagogiques et éducatives se mettaient en place. Donc, nous allons vous demander comment vous avez vécu ces événements, quelles conclusions tirez-vous de ces événements, et avez-vous constaté différentes strates du numérique dans l'éducation, notamment les questions de vie scolaire, par exemple, qui ont été prégnantes, et les questions d'usage pédagogique. Oh, bah déjà, merci pour cette interview. En effet, la période que nous venons de vivre en matière de numérique éducatif, on pourrait dire qu'elle a été extraordinaire. Ou en tout cas, voilà, c'est pas tant le confinement, mais c'est vrai que le déploiement même des usages de manière aussi exponentielle, c'était quelque chose, bien évidemment, qu'on n'avait jamais vu. Bien évidemment, ça vient aussi interroger sur l'usage qui a été fait du numérique. Je pense que le premier constat qu'on peut être amené à faire, c'est qu'il y a eu une vraie mobilisation de tous les acteurs de la communauté éducative. C'est-à-dire qu'ils ont su réellement s'adapter à la situation et utiliser les outils, soit qui leur étaient proposés, soit qu'ils ont découvert. Voilà. Donc on a été dans une approche, on va dire, très globale, très multinodale, comme on pourrait dire, en matière de numérique. C'est-à-dire qu'on a été amené à faire qu'on puisse utiliser toutes les ressources existantes et tous les services existants et qu'on a essayé de faire au mieux avec. La réalité, c'est aussi que cette continuité pédagogique, elle a quand même marché et qu'elle a été amenée à pouvoir se mettre en place rapidement. Hein. Au milieu du confinement, on a eu quelques retours d'enquête, entre autres de l'OCDE, qui montraient que la France était un des pays qui avait le mieux réussi dans la mise en place de cette continuité pédagogique. Alors bien évidemment, tout n'a pas été parfait parce que voilà, quand on est dans cette situation-là, on est amené à bien évidemment rencontrer un certain nombre de problèmes. Mais je tiens quand même à souligner que à travers l'ensemble de ce qui a été proposé, par exemple ma classe à la maison, qui a été proposé par l'opérateur du ministère de l'Éducation nationale, le CNED, a été une offre qui a été tout de suite déployée, qui s'est mise en place avec une solution de classe virtuelle. Hein, ça a été pratiquement plus de 3 millions de visiteurs uniques chaque jour, 400 à 500 000 classes virtuelles de créer chaque jour. Donc on voit bien que ça a été un outil qui a quand même été amené à être utilisé dans le cadre de cette continuité pédagogique. On a aussi les ENT. Les ENT ont joué aussi leur rôle. Et c'est vrai que dès le premier jour du confinement, ça a été pas loin de 400% d'usage supplémentaire. Donc bien évidemment, aucune plateforme aujourd'hui n'est en mesure de pouvoir subir 400% d'usage supplémentaire. Donc on a eu quelques premiers jours difficiles, mais autant dire que la mobilisation des collectivités territoriales, des éditeurs, a permis quand même de stabiliser tout ça et que, d'une certaine façon, l'ENT a été un des premiers outils vers lequel toute la communauté s'est retournée, en tout cas a été cherchée et s'est dit qu'elle pouvait utiliser ce type d'outil-là aussi pour assurer cette continuité pédagogique. Le troisième élément, c'est qu'il y a eu aussi pas mal d'autres outils, comme les outils de vie scolaire, qui ont joué aussi ce rôle. Et donc on revient là aussi sur les enjeux, quelles distinctions nous pouvons être amenés à faire entre ce qui relevait purement du pédagogique et ce qui relevait aussi de la vie scolaire. On peut dire que les frontières, elles ont été fortement poreuses quand même dans cette période-là, parce que je pense que nous, l'enjeu pour le ministère de l'Éducation nationale, et comme l'a rappelé le ministre à plusieurs reprises, c'était de garder le contact avec l'élève.
C'est-à-dire qu'il nous fallait être en contact avec l'élève, il fallait, quand on n'avait pas de nouvelles d'un élève, il fallait qu'on aille chercher l'élève pour pouvoir rentrer en contact avec lui, pour pouvoir construire, en tout cas, ne pas supprimer ce lien qui est absolument essentiel quand on est dans le domaine de la pédagogie, ce lien entre l'élève et le pédagogue. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui ça a été une des grosses motivations à travers tout ça. Donc, on a utilisé les outils numériques, mais on a aussi utilisé le téléphone pour aller chercher. Donc, on s'est bien vu que... Mais nous, notre objectif, c'était celui-là. Et puis après, sur les usages pédagogiques en tant que tels, donc, on peut observer qu'il y a quand même eu une situation dans laquelle on s'est retrouvé, c'est que tous les outils qui ont été utilisés dans un premier temps étaient essentiellement des outils qu'on pourrait qualifier de transport, c'est-à-dire dans le domaine du numérique, c'est-à-dire on va déposer, on vient chercher, on est amené, Donc, ça a été des outils qui ont été utilisés dans ce cadre-là et dans la fonction pédagogique. Donc, on peut dire que ces outils-là, ils servent avant tout, si on en fait une analyse, à la consolidation des acquis. D'accord ? Donc on a été dans un premier temps vraiment dans cette approche de consolidation des acquis. On était dans un continuum par rapport à ce qui s'était passé dans la classe précédemment. On a cherché à conforter ces acquis. C'est sûr qu'au bout de deux mois, on n'est plus dans la consolidation des acquis et qu'il faut être amené à pouvoir proposer aussi d'autres outils. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas d'autres outils de proposer, mais sûrement qu'ils n'ont pas été dans un premier temps ceux qui ont été le plus utilisés massivement. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, à travers la période que nous venons de vivre, c'est quel type d'outils nous pouvons aussi être amenés à pouvoir mettre en place pour pouvoir se dire que, on va avoir des outils qui vont favoriser l'acquisition des savoirs, qui vont, dans une approche complémentaire à la consolidation des acquis, quel type d'outils on peut être amené à pouvoir proposer aujourd'hui. Et ça, là-dessus, nous, on a quelques outils qu'on a développés, entre autres, au niveau du collège à travers les DRNE, qui sont plus dans un cheminement, c'est-à-dire dans un parcours pédagogique. C'est des outils qui permettent de renforcer et de construire un parcours pédagogique totalement pensé par l'enseignant. Et donc, c'est toutes ces réflexions-là aujourd'hui qu'on doit être amené à pouvoir conforter dans le cadre de ce qu'on vient de vivre. En tout cas, ça fait partie des réflexions. Il y en a plein d'autres, mais bien évidemment, ça fait partie des réflexions ou en tout cas des constats qu'on est amené à faire si on est sur le prisme pédagogique et dans quelle mesure on peut aussi capitaliser sur cette période-là. Alors, merci. En ce qui concerne les formations, on a vu aussi de nombreuses initiatives mises en place par les DAN, par Canopé, etc., pour accompagner les enseignants qui n'étaient pas forcément tout à fait formés à ces utilisations de ces outils-là. Est-ce que là aussi vous avez identifié des bonnes pratiques ou des manières, de pouvoir développer par la suite l'usage de ces initiatives que vous avez signalées tout à l'heure? Je pense que le constat qu'on peut être amené à faire dans la période qu'on a vécue, ça a été l'animation de communauté. D'accord ? Et on l'a bien vu à différents niveaux. Nous, on a été amené à voir les DAN, en tout cas à organiser des rencontres avec les DAN toutes les semaines, en proposant les ressources, en demandant aux DAN ce qu'ils avaient été amenés à mettre en place dans leur académie, en faisant ce partage d'expérience pratiquement en direct, pour pouvoir démultiplier rapidement. Et ça, concrètement, dans la coordination de ces communautés, et je parle de la communauté des DAN, comme je peux parler aussi de la communauté des DSI sur la continuité administrative, on a été amené à pouvoir renforcer ces liens-là et à faire qu'on soit vraiment dans des approches d'animation, plus que de dire, on vous donne des choses. Alors, chaque semaine, les opérateurs étaient présents, que ce soit le CNED, que ce soit Canopé, pour pouvoir là aussi dire, nous, on a mis ça en place, on met ça en place, comment vous pensez les choses? Est-ce que vous pouvez nous aider à mettre ça en place? C'est à travers cette dynamique d'animation de communauté. Et ce que je retiens plus à travers tout ce qu'on a été amené à mettre en place, c'est vraiment cette approche de on va animer et on a joué notre rôle d'animateur en tant que direction d'administration centrale pour l'ensemble des services déconcentrés. Et je pense que c'est ça aussi qui a été amené à pouvoir accompagner et entre autres que les académies ne s'en sortent pas spécialement toutes seules face aux problèmes auxquels elles étaient confrontées. On a vécu en plus plusieurs périodes. La première période, il y avait certaines académies qui avaient été en cluster, qui tout de suite, je pense à Grand Est et en particulier à l'académie Nancy-Metz, qui avait mis en place tout de suite
des choses qu'avait construit toute une voilà. Donc ça, tout ça s'est mis en place. Puis il faut aussi souligner une forte mobilisation des aussi des acteurs de la tech, que ça soit à travers leur association représentative, Afinef, Tech France, qui ont été amenés à déployer aussi des dispositifs pour accompagner les éditeurs scolaires, qui là aussi, et on a senti vraiment aussi toute cette capacité à pouvoir là aussi offrir voilà ce qu'on était en pouvoir, voilà, on était vraiment dans cette période de partage, et je pense que ça a été là aussi une façon de mobiliser tout le monde. Et donc si on voulait faire un petit bilan de tout ce qu'il y a eu de positif dont vous venez d'en parler, mais si on vous demandait exactement quels sont les dispositifs qu'il faudrait garder, voire amplifier, et qui sont apparus comme essentiels dans cette période, qu'est-ce que vous proposeriez ? Tout n'est pas que positif, hein. En tout cas, on a aussi pas mal de trous dans la raquette, comme vous pouvez dire, hein. Donc là-dessus, il faut qu'on travaille aussi sur ces trous dans la raquette. Il ne faut pas non plus être dans une idéalisation par rapport à tout ça. Il faut donc on a des enjeux, hein, par rapport à tout ça. Dans les approches positives, je mettrais la question de la collaboration entre enseignants. C'est-à-dire que même si le fait que les enseignants soient amenés à pouvoir travailler différemment ensemble, le fait qu'ils ne se voient pas, à un moment donné, les oblige à travailler différemment ensemble, à utiliser des outils collaboratifs. Alors, même si c'était compliqué, même si ce n'était pas dans les habitudes, même si, voilà, on voit bien que cet enjeu de la collaboration, cet enjeu de pouvoir travailler ensemble autrement est un enjeu absolument essentiel. Et on voit quand même, c'est des tendances très très fortes, hein, de plus en plus, ces outils où on peut travailler ensemble, où on est en capacité de co-construire ensemble un certain nombre de contenus, de ressources, sont des outils qui deviennent absolument essentiels. Donc notre objectif, comment on pourrait être amené à pouvoir, on va dire, à s'appuyer sur ces ce constat-là, c'est de se dire quelle est notre capacité à pouvoir construire des communs numériques pour l'ensemble des agents du ministère de l'Éducation nationale, que ça soit les personnels administratifs ou les personnels de l'éducation ou les enseignants. Donc de se dire, il faut qu'on construise ces communs numériques, et ces communs numériques reposent sur un certain nombre d'outils, et en particulier des outils collaboratifs. Donc ça, c'est vraiment le constat qu'on est amené à faire, et entre autres à travers tout ce qui est mis aussi en place au niveau de l'État, de manière interministérielle, sur ce qu'on appelle l'espace numérique de travail des agents, et en particulier là des agents de l'Éducation nationale. Et je pense que ça, c'est des enjeux qui sont absolument essentiels. On va dire que ça, c'est pour la façon de travailler ensemble. Après, bien évidemment, le constat qu'on est amené à faire, et on l'a vu à travers les dispositifs de formation, c'est qu'il faut absolument renforcer les compétences numériques des élèves, à ne pas oublier, parce que il y a eu aussi des élèves qui étaient en fracture numérique sur l'usage du numérique, et sur les enjeux aussi en lien avec les enseignants, sur le développement des compétences numériques des enseignants. Et j'ai envie de dire, il y a aussi une autre dimension, c'est bien évidemment la place de la famille et la place des parents, parce qu'ils ont joué un rôle absolument essentiel dans le cadre de cette continuité pédagogique. Ça a été dur, je pense que voilà, tous les parents qui ont été amenés à vivre cette période-là se sont retrouvés aussi confrontés à beaucoup de choses où ils n'avaient pas spécialement l'habitude. Ils ont dû aussi utiliser des outils, donc ceux qui avaient plus d'habitude ont sûrement mieux géré la situation, ceux qui avaient moins l'habitude. Donc il y a un accompagnement aussi des familles et des parents qui est absolument essentiel. Donc c'est tout ça qu'il faut nous renforcer. Et puis dans la dimension aussi sur laquelle je serais amené à pouvoir, là encore, peut-être insister, c'est sur les enjeux de gouvernance, c'est-à-dire notre capacité à, là, quand je disais animation de communauté, mais c'est tous les acteurs. On a aussi beaucoup vu les collectivités, on a un comité des partenaires qui regroupe les collectivités, on les a beaucoup vus dans la période, en tout cas on a beaucoup échangé. Donc les acteurs de la tech, tout cet écosystème, et peut-être que il faut aussi qu'on soit en mesure de peut-être revoir aussi nos modes de nous aussi avec cet écosystème, de voir comment on peut travailler différemment. Et je finirai par une dimension aussi d'anticipation. Il faut que ce ministère soit en capacité de pouvoir aussi anticiper ce type de situation. Alors s'agissant maintenant justement d'anticipation,
On peut parler peut-être des états généraux du numérique qui ont déjà été lancés et pour lesquels vous avez un certain nombre d'objectifs, de méthodes de travail qui ont déjà été présentées à un grand nombre de participants et de parties prenantes. Et probablement qu'il y aura à la suite de ces états généraux un plan d'action, peut-être à court terme, à moyen terme. Enfin, donc toute la question maintenant des états généraux comme moyen d'anticipation. Alors, les états généraux, c'est déjà un vrai texte, hein. C'est-à-dire que c'est un retour d'expérience sur tout ce qu'on a été amené à vivre, parce qu'il nous faut quand même partager ça, même si on a des idées, et j'en ai déjà formulé quelques-unes, il faut qu'on renforce tout ça, et voilà. Et ce retour d'expérience, il doit se faire de plusieurs façons. Il doit se faire avec les acteurs de terrain, je vais citer les DAL tout à l'heure, l'ensemble des parties prenantes qui ont été amenées à accompagner cette continuité pédagogique, mais il faut aussi s'appuyer bien évidemment sur le monde de la recherche, parce qu'on a absolument dans cette période-là besoin du monde de la recherche. Donc on a lancé des appels à manifestation d'intérêt, on a identifié plus de 70 laboratoires qui ont lancé des enquêtes, donc on est en train de travailler pour travailler avec ces laboratoires aussi et faire qu'on puisse avoir une synthèse de tout ce qui s'est passé. Et puis, on veut que ce rétexte il soit le plus large possible, donc on veut qu'il y ait une vraie concertation qui soit mise en place sur la place du numérique dans l'école, et c'est la raison pour laquelle on a été amené aussi à déployer une plateforme, états généraux du numérique pour l'éducation, qui nous va nous permettre de pouvoir faire que tout le monde contribue, que tout le monde se pose les bonnes questions, ou en tout cas s'interroge et soit amené à participer à ces états généraux à travers cette plateforme participative. Donc j'invite tout le monde, bien évidemment, à y aller, parce que ça sera un formidable outil aussi pour permettre de venir récupérer tout ce qui s'est passé. Et au-delà de ce qui s'est passé, c'est de se dire comment on est amené à faire des propositions pour la suite. Donc on attend aussi beaucoup de cette approche participative, parce que le numérique, c'est aussi des enjeux de co-construction. C'est pas, voilà, le numérique se pense avant tout avec les autres, et il n'est pas possible de penser le numérique seulement dans une approche purement descendante. Ça serait aller à l'encontre même de ce qu'est le numérique en tant que tel culturellement. Et je pense que l'enjeu que nous avons aussi aujourd'hui à travers ces états généraux, c'est de faire prendre conscience que avant tout le numérique dans l'éducation, c'est un enjeu culturel, c'est pas un enjeu d'outils, de techniques. C'est cette dimension là aussi qu'il faut pas fortement intégrer. Je pense qu'on l'a vécu là, dans une période qu'on n'avait pas spécialement anticipée, mais à nous aussi de capitaliser en disant bah oui, le numérique doit prendre aussi toute sa place, et comment il doit prendre sa place, avec aussi cette approche où il faut avoir une approche aussi raisonnée de la place du numérique dans notre pédagogie, parce que voilà, y a pas de en tout cas c'est un vrai enjeu aussi à travers tout ça. Donc on a été amené à beaucoup consulter, on a mis en place plein de groupes de pilotage, voilà, avec un grand nombre d'acteurs, que ça soit le monde associatif, que ça soit le monde de la recherche, que ça soit les collectivités territoriales, que ça soit les acteurs de la filière, que ça soit en interne aussi au ministère. On a été amené à construire des belles dynamiques autour de ces états généraux pour déterminer entre autres ce qui pourrait faire sens en termes de thématiques à aborder. Donc on a défini nos 5 thématiques, hein, dont j'ai déjà un peu parlé, je peux les réunir rapidement. On a quand même, dans la première thématique, il y a les questions de la fracture numérique et de l'inclusion numérique. Ça, c'est une dimension. On peut observer quand même qu'il y a aussi, et que cette question de la fracture numérique est encore très très fortement prégnante. Il y a la question de la travailler autrement et comment permettre d'avoir les outils. Bien évidemment, enseigner et apprendre avec le numérique, que ça soit sur les compétences numériques, que ça soit sur les enjeux de nouvelles formes d'outils. Et je parlais tout à l'heure de ce qui relevait de la consolidation des acquis et ce qui pouvait être dans la consolidation des savoirs, pardon, et travailler sur l'acquisition de compétences et de savoirs aussi. Donc, du coup, comment on est amené à pouvoir
être amené à mélanger, à travailler sur tout ça, quel type d'outils on peut être amené à pouvoir proposer. Un autre enjeu absolument essentiel aussi que je n'ai pas abordé encore dans notre entretien, c'est la question de la souveraineté pédagogique et quel type de numérique nous voulons, un numérique éthique. Voilà, donc la question de la place de la donnée qui est sur lequel l'ADNE travaille beaucoup depuis 2 ans parce qu'elle estime que c'est un enjeu absolument crucial pour construire l'avenir du numérique dans l'éducation. Donc cette question de la donnée est absolument prégnante et donc il y aura là aussi des enjeux très forts et puis ces enjeux de gouvernance et d'anticipation. Donc là-dessus, à travers ces 5 thématiques, on a essayé le plus consensuel possible ou en tout cas on a essayé d'aborder toutes les questions pour faire que tout le monde puisse aussi s'y retrouver. On a un questionnaire aussi sur la plateforme. Le questionnaire, c'est pas un questionnaire qui se veut du tout exhaustif, c'est juste on a besoin, parce que le champ est tellement large, de prioriser un peu certaines thématiques. Et donc ce questionnaire-là, il est là plutôt pour se dire quel type de thématique on est amené à pouvoir proposer. C'est pas du tout un questionnaire qui se veut totalement exhaustif et c'est trop compliqué de faire des questionnaires qui se veulent exhaustifs sur le champ qui est le nôtre aujourd'hui. Donc c'était vraiment dans cette approche-là et pour nous aider aussi à construire vraiment l'approche des états généraux. Et puis surtout les états généraux, ça va se passer dans les territoires. Parce que là aussi, c'est une idée que je défends depuis longtemps, le numérique se passe avant tout en proximité. Et donc tout ce qui s'est passé, ça s'est passé dans les territoires, ça s'est passé et avec des spécificités territoriales, avec des choses qui avaient été développées dans les territoires, avec une capacité à... Donc on souhaite réellement que tout ça puisse s'appuyer sur le numérique, en tout cas sur les territoires. Donc il y aura des états généraux territoriaux qui vont se dérouler à la rentrée, de manière physique, si on peut, on espère. Et puis on fera une synthèse avec justement cette volonté aussi, bien évidemment, qu'on puisse en sortir vraiment des lignes de force qui seront partagées, qui auront été construites et qui nous permettront de pouvoir là aussi faire que on puisse identifier un plan d'action associé à ces lignes de force. Donc c'est tout ça qu'on est amené à pouvoir construire aujourd'hui et c'est la dynamique qu'on a voulu enclencher à travers les états généraux du numérique pour l'éducation. Bonne façon de tirer parti de tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Une question également sur on a parlé tout à l'heure du réseau Canopé qui a joué un rôle important pour l'accompagnement de la formation des enseignants. Et donc, vous avez été à l'initiative de la création de ce réseau, avec ses 102 ateliers, sur tout le territoire national. Comment voyez-vous l'avenir de ces lieux de formation et d'accompagnement ? Alors, je n'ai pas été à la création du réseau. Le réseau existait bien avant moi. Tout ça est une histoire de 70 ans d'histoire. Oui. Donc là, moi, j'étais seulement un des maillons qui a pu permettre à un moment donné d'essayer de faire qu'il puisse y avoir une autre impulsion et en tout cas que ça puisse aussi s'appuyer sur d'autres enjeux, les enjeux du numérique bien évidemment, parce que Canopé, on en a fait aussi un opérateur qui intègre totalement les enjeux du numérique et des enjeux que je qualifierais aussi sur les enjeux de médiation. Donc on a bien vu dans la période qu'on a vécue, la question de la médiation a été aussi absolument essentielle, qui est amenée à pouvoir accompagner. Et donc le réseau Canopé a, je pense, toute sa place pour pouvoir déployer tout son savoir-faire et puis renforcer sûrement, je pense que c'est sa position en tant qu'opérateur de la formation continue. C'est-à-dire que je pense que là-dessus, le réseau Canopé a un rôle à jouer dans ce sens-là, à travers le fait qu'il peut être amené à proposer des ressources pour la formation. Il peut être amené à pouvoir s'appuyer sur son maillage territorial, de pouvoir construire aussi des outils en lien avec l'ingénierie de formation. Et je pense que tout ça, ça doit être vers cette dynamique-là. En tout cas, les évolutions du réseau Canopé vont sûrement, en tout cas, seraient amenées à pouvoir renforcer ces piliers-là et faire que ça puisse là aussi continuer à faire que ce réseau puisse jouer un rôle de premier plan dans le cadre de l'accompagnement des enseignants. Et donc, nous avons maintenant la volonté de vous poser une question plus personnelle, puisque
Vous avez une large expérience personnelle dans le monde des médias, de la communication, de par votre parcours professionnel, et ce qui vous permet peut-être de voir comment le monde de la communication va pouvoir évoluer dans les années à venir, à la suite de l'extension considérable, compris les réseaux numériques, depuis cette période actuelle. L'enjeu pour tous les acteurs aujourd'hui, hein, qui sont amenés, et c'est là aussi qu'on peut faire l'analogie entre ce qui relève du monde de l'éducation et d'un média, c'est-à-dire que ça reste un médium tout ça. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est que les enjeux d'émission et de transmission, de réception, parce que ça repose quand même toujours là-dessus, c'est-à-dire que voilà, on est amené à se poser ces questions aussi dans le domaine des médias, bien évidemment, et que la transmission, réception, c'est pas du tout la même chose dans un environnement numérique. Là aussi, nous sommes dans des environnements totalement multidimensionnels, et que je pense qu'il y a des enjeux qui sont très fort par rapport à ça et qui donc, d'ailleurs sont aussi amenés à être les mêmes dans le domaine du pédagogique. C'est toujours se poser la question de ce qu'on transmet et de la qualité de ce qu'on est amené à transmettre. En fin de compte, aujourd'hui, ce qui permet de différencier un média par rapport à un autre, c'est la qualité de son contenu. D'accord ? Et vous arriverez à exister dans des environnements numériques demain parce que vous aurez un contenu de qualité qui voilà, sera fait par des auteurs qui auront une capacité à pouvoir vous faire rêver quand il s'agit de séries télévisées par exemple ou de documentaires qui vous permettront d'être bien informés quand il s'agit d'informations. C'est ça qui à un moment donné fera la différence par rapport à la multitude des réseaux. Et du coup, c'est pas pour ça que ces réseaux-là n'existeront pas, mais il faut se construire totalement en complémentarité. Et le numérique a cette approche, non pas d'exclusion ou d'inclusion, il a cette logique de complémentarité. Et donc, un média aujourd'hui doit se construire en complémentarité en s'appuyant sur ses fondamentaux. Et j'ai envie de dire, l'école, c'est un peu la même chose. Elle doit revenir sur ses fondamentaux. Elle doit savoir marier tradition et modernité, elle doit être en capacité de pouvoir faire que les fondamentaux sont là, mais il faut aussi aller vers d'autres types de compétences, et là on revient en particulier sur les compétences du 21e siècle. On peut faire aussi le lien avec l'éducation aux médias et l'information, qui est sûrement le meilleur outil pour construire ces compétences du 21e siècle aujourd'hui, dans l'approche du développement de l'esprit critique, dans la communication, la création, la collaboration, comment travailler ensemble différemment. Donc c'est tous ces enjeux-là qui sont aujourd'hui aussi, et d'une certaine façon, voilà, les médias doivent aussi intégrer cette approche-là, et surtout voilà, s'appuyer sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du contenu et du contenu de qualité, voilà, le divertissement aussi, hein, c'est un contenu, voilà, il y a des très bons divertissements, il y a des moins bons divertissements, il y a du sens, la question du sens est absolument essentielle, et je pense que dans toutes les questions numériques aujourd'hui, c'est la question du sens qui prévaut. Et donc, voilà, parce que nous sommes ce que nous sommes, et qu'avant tout, voilà, on a envie de continuer à apprendre. Et le média, voilà, les nouvelles générations, elles apprennent aussi avec le média. Alors, ça peut être à travers un jeu, voilà, ça peut être à travers un réseau social, parce que vous avez identifié un youtubeur qui vous fait, voilà, et puis ça va être aussi de pouvoir avoir un peu de dérision, des fois, de savoir développer son esprit critique quand vous avez une petite, voilà, un Gorafi qui vous fait une petite. Voilà, qui vous met en perspective une information, voilà, c'est rien d'autre que ce qu'on vivait au moment du début du siècle, quand on avait dans les journaux tout ce qui était de la parodie, tout ce qui était, voilà, et tout ça se construit différemment, mais d'une certaine façon, ça vient renforcer aussi toute une approche, voilà. Donc c'est vraiment de bien, et là le numérique, il est là pour sûrement amplifier à certains moments, il est là aussi, et il faut vraiment
aussi être dans cette approche où voilà, on est là pour avoir une ambition avec le numérique, mais c'est aussi de se reposer des bonnes questions quant à son utilisation. Donc voilà, c'est tout ça qu'il nous faut aujourd'hui construire. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à vous. Merci.